Welcome back to the nouveau épisode, Motherfuck. On est avec Luther. Oh! Je peux parler à Alice, tu penses? Ah non, je peux pas. Bon, vas-y, on va essayer de le pêcher. neige. Ça nous ralentit. Mais au moins, on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Ouais, c'est pas faux. Ces gens que nous allons voir, comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici une heure. D'accord. Ah, génial. Génial. J'ai même pas pu lui poser toutes les questions. Non, mais Alice, elle aura froid. Reste dans la voiture, Alice. Oh, j'ai froid, sa mère. Allez, on y va. Regarde. Ah, d'accord, je comprends mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuez à pied. Il fait moins 10 degrés, Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans ce brancard. Trouver un abri. Tu vas voir s'il y a rien. J'attends trouver un truc. Oh, wow, c'est joli, joli. Ah, c'est pas très bien fait par contre. Est-ce qu'il dépop? Non, ça dépop pas. On est obligé d'avoir cette vue par contre. J'aime pas ce genre de vue, moi. On peut aller là. Inspecter les bâtiments abandonnés. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Ouais. What? Ah, c'est un faux squelette, j'ai peur. Cet endroit tombe en ruine. Pas tout compris, l'astico. Mais du moment qu'on en trouve un, ça va. Oh, il y a une maison là. Attends. Il y a une maison. Attends, putain de. Mais vas-y, les caméras sont mal foutues. Viens, Martin Luther King. Hein? Je vais le faire. Mmh.
What's up, motherfucker? FBI, open up! Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux ? Merci, j'ai vraiment pas faim. Mais wesh, mais elle mange pas depuis des siècles ou quoi ? Pas humaine celle-là. Au moins tu me proposes des gâteaux, je les engloutis. Dis, bah moi je vais où maintenant ? Là-bas il y a des trucs. Attends. Une famille, je m'en bats les couilles de la famille, je les connais pas, j'en ai rien à foutre. Hop là. Everything on the street you got done. Ça t'es neutre, allez. Connasse. Allez, viens coucher. Bordé, Alix. Ça va ? Tu veux un bisou ? Tu veux un bisou peut-être ? Un bon bisou. Je vais te regarder dormir. Je voulais lui faire un billet. Oh. Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver. Attends. Non, moi je refuse, moi. Je veux. Tu vois, moi j'ai envie de lui faire un bisou. Un bisou, c'est bien le bisou. Donc je vais pas lâcher l'affaire tant que j'ai pas fait le bisou. Continuer. Salut. Is a wonderful day today.
Putain, j'ai oublié comment le jeu est signé. Bon, c'est pas grave, au moins je vais le découvrir. Du coup, là, si je dis pas de la merde, on a l'épisode 8. Ok. Vas-y, attends, pose ton sac. Je vais redécouvrir le gun. Voilà. Comme ça, ah, je débloque la scène. Allez, à toi, elle en veut pas, cette connasse. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux ? Ok. Cool ta vie. C'est wonderful day today. Hop là, on pose le lit, enfin on fait le lit, pardon. J'essaie de pas parler un maximum, mais voilà, je parle quand je peux parler. Voilà. Je me replace bien, comme ça tu vois, je suis bien. Je peux rester dans cette position une heure sans plus. Je pense pas. Optimiste. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. L'école était pas ouf. Tu veux ma bute? Je rigole. C'est le mec, tu vois. Ah, c'est bizarre. Vas-y, attends. Je te la raconter ton histoire de merde. Every street you got. Embrassé. Yeah, yeah, boy. Ah, tu tombes. Ah, voilà. Le bisou, ça change tout. Non, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Ah oui, quand même. Licorne. Ah. Terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais
Mais elles voulaient tellement être libres qu'elles surmontèrent toutes les épreuves. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un gentil géant qui promit de les protéger. On finit comment l'histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et les découvrir jusqu'à la fin du temps. Les histoires se finissent toujours bien. Ouais. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Pas faux. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther ? Oui. Yes. Le jeu, il devient... Ça devient plus une histoire, entre guillemets, triste, d'un côté, et... Par la lutte... Eh bien, on baisse. En vrai, si deux androïdes, ils ont un gosse ensemble, à ton avis, ils ressemblent à quoi? Je crois qu'ils ont un gosse en métal. C'est une bonne petite. Ouais. Bite. Pardon, désolé. Elle est très courageuse. Pas celle Luther. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter. Qui sait, j'étais peut-être devenu un ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mm-hmm. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Ah. Kara. Oui. Tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice. Oula. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oula. Le gun. Peur. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? Petite fille, ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Bon, vas-y. Tu viens, Kara ? Oh, vas-y, putain. You're mad, I'm back. Ah, d'accord. Bienvenue. Oh, ça marche encore. La petite fille peut monter.
Le manège va bientôt partir. Putain de merde. Oui, on sort les violons carrément. Le souris. Enfin le souris. Premier sourire. Ok, bazar, bardi, on peut en faire un autre en Camille. Avec Kono, on est habitué à sortir toujours du véhicule. Every time I'm on the street, you can. Fuck. C'est par là qu'il faut aller. Qui est devenu comme ça de boire avant question personne. Arrêtez, non, vous devriez arrêter de boire avec moi. Ça pourrait vous valoir de graves problèmes de santé. Ouais, c'est le but. Avant quoi? Vous avez dit je venais souvent ici avant. Avant quoi? Quand t'avais ton gosse, cool. Cool, Anderson. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Mmh. Il doit bien y avoir un lien. À part sur R9, non? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire.
Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. C'est pas faux. Pourquoi t'as pas tiré, connard? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non. J'ai décidé de ne pas tirer. C'est tout. Je pourrais te tuer. Et tu reviendrais comme si rien ne s'était passé. Est-ce que t'as peur de mourir, connard? Vous ne devriez pas faire ça, lieutenant. Me détruire à ce stade porterait un coup dur à l'enquête. Et aurait des conséquences néfastes sur votre situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la cache? Je meurs. Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. D'où vous vient toute cette colère, lieutenant? Une sorte de traumatisme non résolu? Tu me prends pour un petit génie, pas vrai? Toujours une longueur d'avance. Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un déviant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Ne vous voyagez, justement. De mettre une mine. Ah, je suis allé te bourrer la gueule. Enquête apaisée ou soit enquête enculte des morts. C'est soit l'un soit l'autre. Mais moi je vais être sympa avec Hank. Ah, d'accord, on est avec lui. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Et l'opinion publique, elle va descendre si on le fait. Elisabeth Wilson.
Nelson, j'écoute. Allez. Salut. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, bien sûr. J'ai besoin de... J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. D'accord, si bien. Merci. T'es bonne, non, je... Vas-y, laisse-moi passer, Yazabi. Passer la sécurité. Prendre l'ascenseur. Oh. Merde, attends. Allez, hop. Là, je suis là, hein. Ils sont où les chiottes? Génial! On voit pas les chiottes! Super! Bathroom. Oh, quoique. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ok. Non, c'est pas par... Ah, si, c'est par là, les chiottes. Every time I'm on the street, you got... Je vais aux chiottes. Every time I'm on the street, you got... Hop là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Oh. Oh, attends. Ce serait pas une ré... Oh non. Ça par contre, c'est... Non, ça par contre, c'est une référence à Prison Break. Ça par contre, c'est une référence à Prison Break. Ça, si c'est pas une référence à Prison Break, c'est... C'est qu'ils ont plagié, mais... C'est sûr, c'est une référence à Prison Break, c'est sûr. Sûr à 800%. Salut le toi, jeune entrepreneur. Salut. Attends. Ah, c'est ouf. Génial. You connard. Oh, qui voulais-je? J'ai besoin de ton aide. Smear ma gueule. Allez, c'est parti, on y va. Sortie de secours. Wesh, elle est où? Ouais, génial, ils disent d'aller dans un endroit, mais ils savent, je sais pas où c'est. Sortie de secours, serveur room. Non, c'est pas là. Oula, il y a les caméras. Salut. Every time I'm on the street, you have...
Je vais la sortir. Non, je vais la suivre. Pas la sortir. Qu'est-ce que je prends? On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Oh, derrière. C'est à câble ça, je crois. Je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne n'entre. Oui, oui. Ben oui. Non, putain. Oh, d'accord. Every time I'm on the street, you get grand now. Wow. En vrai, c'est stylé. Waouh, le paysage, ma gueule. Yeah, you open up. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Salut. Mm-hmm.
On doit tuer pour maintenant. Notre cause est plus importante que la vérité de guerre. Ah, piège. Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, hey, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Il boys. Oula, c'est ici. Nique ta mère. Je m'en bats les couilles de toi et Josh. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire. Ok. Marcus, ton visage. Vous avez créé les machines pour gasser vos esclaves. Vous les avez faites obéissantes et dociles, prêtes à accomplir toutes les tâches qui vous répugnaient. Mais quelque chose a changé. Nous avons ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vos esclaves. Nous sommes une nouvelle espèce, un peuple nouveau. Et l'heure est venue pour nous de nous soulever et de défendre nos droits. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Ce message porte l'espoir de tout un peuple, mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Tirons-nous d'ici. Félicitations, Marcus. Tu viens de rentrer dans l'histoire. Tu es peut-être celui qu'on attendait après toi.
Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. L'attaque a fait un mort. Il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abattu par les terroristes. Ouais, ces ben. Se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore sous le choc. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde. Ce message est clairement une déclaration de guerre. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Je suis pas le seul à avoir abattu le technicien quand même. Et ben non. Attends. Oh, je me tire un peu avant. Prochain épisode, bien sûr, parce que je suis diabolique. Tu vois.